Eh, re mon Sofiane, hein. Eh ben oui, bienvenue pour cette finale FIFA 19. Donc on se présente Sofiane Le Glic et Luthor. Voilà, on est youtubeur sur les jeux de football virtuel et à la fois aussi sur le football en général. Eh, tout à fait. Et là, du coup, on est là pour commenter la finale du Nekon Trophy de la Gamer Assembly 2019. Une finale finalement un petit peu inattendue. Bon, Sneaky, on s'attendait quand même à le retrouver en finale. Ouais, Sneaky, c'est vraiment voilà, une grosse tête d'affiche dans le milieu de FIFA. Et on peut le dire, on est en France. C'est le favori français de cette compétition Nekon Trophy. On va rappeler un petit peu le parcours et le palmarès que a Sneaky dans ses poches, parce que franchement, c'est pas des moindres. Ancien joueur pro du LOSC, voilà, du club de foot de Lille. Et également, il a quand même fait cette année sur FIFA 19 la Continental Cup 2018. Donc autant vous dire que le level de Sneaky est vraiment très haut. Oui, il dit qu'il vient en détente. Il n'est pas venu en détente, il est venu là pour remporter le tournoi. Ah, forcément. Et pour l'instant, il est en finale face à un joueur méconnu pour nous, on va pas se mentir. Wiki, qui vient de la team Sampi, qui a fait un parcours franchement parfait. Là, en phase finale, il a marqué 10 buts. Il en a encaissé que deux, très solide, et puis du coup il a passé les tours jusqu'à être là en finale, il n'est pas là par hasard. Ouais, tout à fait, mais après attention, Sneaky aussi a également été impressionnant. Il a fait en phase de finale 19 buts pour seulement 7 encaissés. Ouais, énorme, hein. Énorme. Sneaky, on l'a casté plusieurs fois en live pendant ce tournoi. C'est vrai qu'offensivement il a été impressionnant. Hein. On vous rappelle que du coup ce tournoi se joue pas en fut. Hein. Là c'est des équipes nationales ou des clubs, c'est important de le préciser par rapport à la finale précédente. Bien sûr. Et là du coup ça va jouer différemment. On voit que c'est pas vraiment le même gameplay. Et Manchester City. France, donc Sneaky c'est City, hein. Y a pas de doute. Ah, y a pas de doute. Et du coup Sneaky qui va jouer avec le maillot foncé de City. Voilà. Sneaky City et du coup Wiki France maillot blanc. Allez, Laurent Issa, la première inquiétude pour Wiki. C'était le Kun Agüero, je crois, hein, dans la surface là. Agüero, faut pas le laisser tout seul comme ça. Hein. Kanté vers l'avant, là, puis bien joué. Griezmann dans la profondeur. C'est bien joué. Mbappé. La sortie du gardien qui a été évitée. Et le corner. Et attention, ça a été touché, ça veut dire. Hein. Deux grosses occasions pour chacun des joueurs. Allez, joue au premier poteau, c'est pas cadré. Allez, Walker, Fernandinho pour De Bruyne. Agüero pour Sané, Leroy Sané, il a effacé ses deux joueurs, il prend son temps. Ouais, bien. Ah, attention, le coup favorable. Sterling, oh, c'est bien joué. Attention, premier but. Le premier but. Et le but, ouverture bien travaillé, du score. Hein. Très beau travail avec le petit compte favorable, le départ de l'action et derrière dans la surface. Bah, ça trompe pas, la frappe croisée et puis ça fait but. Et ouverture du score du joueur français Sneaky. Ça passe juste sous le bras. Ah là 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 là. Allez, attention, voyons voir la réaction de Wiki. Allez, c'est bien joué. Allez, Fernandinho, peut-être il y va. La frappe. Oh là là, mais il y a du loupé, hein. Il y a du déchet, mais que d'occasions créées et quel talent de Sneaky pour se les créer. Hein. Allez, très gros travail de Loris du côté de la France. Allez, attention. Ouais, on n'a pas voulu prendre la frappe, ouais, c'est la mi-temps. Quelle mi-temps de Sneaky. Domination de Sneaky. Mais attention, hein, Wiki s'est quand même créé de belles occasions. On voit, il a quand même frappé 3 fois au but, pas cadré. Sneaky en une mi-temps, c'est quand même 4 frappes, 3 cadrés, 1 but. Hein. Ouais, c'est ça. Après, attention, il y a quand même eu 61% de possession pour Sneaky face à 39. Oui, c'est son jeu. Hein. Voilà, c'est son jeu. Hein. On l'a dit tout à l'heure, ça joue la possession, l'attaque à fond. Et... Allez, on voit que tactiquement, on fait des petits ajustements. Wiki qui choisit plus ou moins de laisser la possession à Sneaky, et qui essaye de jouer en contre. Pour l'instant, ça n'a pas réussi. Hein. On rentre déjà dans les 20 dernières minutes de ce match. Match très plaisant à regarder. Et on le répète, hein, ça sera en BO3. Ouais, donc le premier match... Bah déjà, ça va être important. Attention, on passe à 3 défenseurs. Ouais. On va passer en 3-5-2. Une compo, là, cette fois-ci, très offensive. Par contre, attention, est-ce que c'est la bonne solution face à un Sneaky qui attaque très, très fort? Ah, écoute, il prend des risques, hein, Wiki. Il prend des risques. Il a raison, il est mené. Finalement, il n'a rien à perdre. Il a peut-être analysé que Sneaky jouait quand même beaucoup dans l'axe, dans ses attaques. Donc, quand c'est comme ça, il a fermé dans l'axe. Il a bouché dans l'axe avec 3 défenseurs très costauds. Et puis derrière, je pense qu'il va essayer d'aller chercher les côtés. Un gros ascendant en fin de première période. C'est ça. Et depuis, il gère son match, j'ai envie de dire, intelligemment. C'est très bien. C'est très bien. Et là, attention, c'est récupéré. Là. Ah, tu vois. Avec Griezmann. Pour Coman. Il est passé. Et l'égalisation. Ah, l'égalisation
égalisation à la 85e minute, et là ça fait mal. Ah, et on peut dire que du coup, avec son changement tactique, il aura payé. Hein. Eh oui, pour le coup, tu avais raison, le changement tactique a été payant. Il repasse tout de suite à 4 défenseurs. Ah, c'est beau ce qu'il vient de faire. Ah, il revient de loin, Wiki, hein, parce qu'il était quand même mal embarqué dans ce match. On pensait que Sneaky avait vraiment l'ascendant sur ce match. Et puis finalement, avoir la possession n'est pas forcément. Avoir la victoire. Un but d'avance, on sait que ça va très vite. Hein. Il y a pas de sécurité. Et on rentre dans les 5 dernières minutes. Un partout. Ah là, c'est. Et voilà, on les voit les stats. Et du coup, un partout à la 90e minute. Ah, on pensait que Sneaky allait remporter ce match. Et finalement, Wookie qui est bien revenu. On va du coup avoir droit aux prolongations. À des prolongations, puisqu'il nous faut un gagnant pour ce premier match. On vous rappelle que ça joue en BO3. Donc, le premier joueur à remporter deux matchs gagnera tout simplement le Nekon Trophy. Ah, c'était vraiment très bien joué. Là, attention, Antoine Griezmann sur le côté pour Kimpembe qu'on fait monter. Attention, Kimpembe, le Parisien. Kimpembe qui fait rentrer à la surface, le centre. Ouais, c'est repoussé, mais ça va revenir. Attention, ça va revenir. Grosse possession là de la part de Wiki. Wiki, le joueur de la Sampi. Ouais, attention là. Attention. Voilà, bien joué. Oh là là, attention. L'ouverture. Et la frappe. Oh, mais quelle action. Et le but de Grizou. Oh là là, mais quel appui. Hein. Ça a combiné à l'entrée de la surface. Le départ Antoine de Griezmann. Griezmann qui a mis ce deuxième but dans cette période de prolongation. Alors là, attention maintenant, c'est Sneaky. Il va falloir se réveiller. Il va falloir aller chercher la win au bout de ce match. Il va falloir tout donner. Et là, j'ai hâte maintenant d'en savoir plus. Et là, 2-1 pour Wiki, alors qu'il est dominé en termes de possession. Ouais, et qu'il était mené, hein, jusqu'à la 85e. Mais la lucidité, elle est là. On revoit le but, regarde. Là, le 1-2, magnifique, la talonnade. Belle vision. Ouais, belle vision. Pas décisive de Fekir, je crois. Super. Allez, c'est maintenant. On est à l'engagement. Allez. Ah, on sait qu'il y a souvent des buts à l'engagement. Allez, c'est le moment de revenir dans ce match. Ah, De Bruyne qui s'est battu, qui n'a pas perdu cette balle. Ah, ils sont fatigués, les joueurs. Ah, les joueurs commencent à avoir un trait de fatigue, forcément. Et on s'approche déjà de la mi-temps de cette prolongation. Hein. On est toujours, je vous rappelle, dans le match 1 hein, de ces Nakon Trophy finale. Allez. Allez, du coup, c'est récupéré avec la France de Wiki. Ouais, Varane qui est monté là, a porté le surnom, mais qui a perdu le ballon. Et derrière, c'est dangereux puisque forcément, il n'est plus en défense. Allez, Sneaky qui va s'appuyer sur la gauche. Oh, égalisation du coup. Incroyable. Mais quel match. Très, très bien joué de la part de Kun Agüero, dirigé par Sneaky. Cette frappe incroyable qui vient mettre le deuxième but pour obtenir l'égalisation. Super. Incroyable. Si les joueurs avaient voulu nous donner du spectacle, du suspense, ils ne se seraient pas mépris. Hein. Ah, voilà. C'est un match magnifique. Hein. Ah, pour le coup, je suis entièrement d'accord avec toi, Luton. Allez, la mi-temps, il va rester donc une mi-temps de prolongation. Il va nous falloir absolument un gagnant. Et on l'a vu encore, 62% de possession pour Sneaky face à 38% pour Wiki. Ouais, bien joué, mais attention. Hein, attention, ça presse. Pressing. Ça presse du côté de Sneaky. Il s'en sort superbement bien, Wiki, là. Attention, il a vu l'appel dans la profondeur. Encore, au deuxième, encore. Il est tout seul. Oh là là. Mbappé la frappe. Oh, la pleine lucarne de Kylian Mbappé. Et c'est la deuxième que Kylian Mbappé nous fait de la même manière. Ah oui, dans le dos de la défense. Ah là 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 là. Quel match. Ah, quel match incroyable. Et là, du coup, le 3-2 pour Wiki. Attention, voyons voir la réaction. De Sneaky, ça va être très intéressant du coup à le voir. Et là, il passe avec une défense à 5. Là, il va vouloir jouer avec la défense. Ah oui, là, il m'étonne. Est-ce que Sneaky va être capable du coup de revenir encore une fois dans ce match? Et pour le coup, je pense que Wiki, il va vouloir garder la balle. Oui. Il va vouloir garder la balle. Et Sneaky, lui, va devoir presser un maximum pour la récupérer. Qu'Ederson a fait une petite faute de main sur le but. Il la touche quand même. Il la touche un peu, ouais. Piqué. Allez. C'était pas une main ferme. Allez, Sneaky. Sneaky pourra aller arracher l'égalisation et peut-être les tirs au but dans ce premier match. Allez, Walker. Walker, bien joué, on a pris. Super. Allez, il est déjà dans la surface, la fin de corps. On se retourne, le drag back, le double drag back. Oh, mais c'est magnifique, c'est malade. Sneaky, mais quel mental, messieurs, dames. Et je vous le disais, l'expérience qui parle. Oh là 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 là. Il connaît ces phases-là, il a déjà été mené, il comprend le jeu. C'est un jeu d'échecs. Voilà, je le savais, je sais que l'expérience parle avant tout. On l'a dit,
il peut revenir. Et pour le coup, il ne me fait pas mentir. Ah, Wiki qui doit être fou. Wiki qui doit être fou. Ah, ben c'est normal. Deux c'est fois là où... mené en prolongation. Ah, c'est incroyable. Deux c'est fois incroyable. Rejoint. Ah, là, franchement, t'en prends un coup. Hein. T'en prends un coup. Mais on a vu qu'il avait un mental exceptionnel aussi. Et bah, du coup, on va les avoir, nos pénaltys. On va les avoir, les pénaltys. Quel suspense incroyable. Mais quelle finale. Ils sont pas en finale pour rien. Ah, ils sont pas en finale on pour rien. On pourra pas dire que voilà, ils ont volé le joueur. Non, ils sont là parce qu'ils le méritent. Ah, ils tiennent leur rang. Ils tiennent leur rang. Ils nous font du spectacle. On a droit à un premier match magnifique. Ah, et du coup, oui. Sneaky qui va être le premier à tirer. Et attention, attention. Là, c'est dur. C'est dur. Allez, voilà, c'est arrêté. Du Golioris, Wiki qui s'est pas laissé emmener et qui est resté au milieu. Ah là, c'est dur, mentalement c'est dur. Faut rester dedans, faut rester dedans. Wiki avec Grisou. Ouais, il a choisi au milieu. Ouais, il est rentré dans sa tête. Attention, attention. Allez, Sneaky. Sneaky, hein. Faut pas se laisser. Allez, voilà. Allez, le contre-pied parfait pour revenir un partout. Pour l'instant, petit avantage à Wiki. Encouragez-les. Allez, Kylian Mbappé. Allez, c'est parti, Mbappé. Le course d'élan. Ouais, c'est super, bien joué. Il avait choisi de rester au milieu. Allez, quel combat mental là, quel combat mental. Ressus. Wiki ouais. Pour égaliser. Allez, deux partout, hein, toujours. Pour l'instant. Allez, faut l'arrêter si Sneaky veut essayer de revenir. C'est sûr. Faut l'arrêter. Attention, Fekir, le Lyonnais. Fekir Plémar. Il a arrêté. Oh, l'égalisation. L'égalisation de Sneaky. Mais même au pénalty, ils nous font un spectacle magnifique. Hein. Ah, je le disais, il fallait qu'il l'arrête. Attention, Sneaky, Plémar. Oh là là. Ça joue beaucoup Plémar. Hein. Ah, là, il y a de l'intox. Hein. Là, il y a de l'intox. Allez, Dembélé. Est-ce que Sneaky va l'arrêter? Et du coup, passer devant. Allez, Dembélé, Ousmane. Oh, j'ai cru qu'il allait la voir. L'égalisation de Wiki. Allez, Sneaky. Allez, Leroy Sané. Sneaky pour le 4-3. Ils mettent la pression sur Wiki. Plein axe encore une fois. Oh là là, on a du mental. On attention. A du mental. Allez, si match jamais nul. Là, faut pas se louper. Hein. Ça peut être fatal. Hein. Là, faut pas se louper. Pour Wiki. Avec Blaise Matuidi du gauche. C'est frappé. Oh qui remporte donc ce premier match après avoir été mené 3-2 dans les prolongations. Mais quel premier match, Sofiane. Et je le disais, ça pouvait être fatal. Et Sneaky, il a gardé ce mental d'acier. Il est heureux. Ah voilà, il est heureux. Matador, le sourire également. Ouais, il faut rester concentré. Hein. Il va rester au moins un match. Et là, du coup, ça peut déjà être un match décisif. Hein, puisque forcément, si Sneaky gagne, il remportera Senecon Trophy. Mais je pense qu'on l'a vu. Wiki va pas se laisser faire. Ouais, Wiki va pas se laisser faire. Maintenant, attention. Ah, il est déçu, mais... Ce deuxième match va être, je pense, d'une intensité incroyable. Deuxième match qui pourrait être la victoire de Sneaky s'il l'emporte. Hein. Ben oui, bien sûr, vu qu'il a remporté le premier match, on est en BO3, il faut deux victoires, donc est-ce que tu penses que Sneaky va déjà le faire? Bah moi, comme je vous l'ai dit, moi je le soutiens, donc j'espère. Toi, ouais. Voilà, clairement, moi j'espère. Mais je pense que Wiki t'a impressionné aussi. Ouais, franchement, il m'a impressionné. Il est vraiment très bon parce que malgré avoir été dominé en termes de possession, bah, il montrait qu'il était réaliste devant les cages. Il a mis dans son match et après il a déroulé. Griezmann qui attend du soutien, il a vu le départ. Et encore c'est Mbappé qui passe à tous les coups. Est-ce qu'il va remettre encore une fois le même but? Non, cette fois c'est arrêté par Ederson. Il était un petit peu plus excentré. Et attention, à chaque fois c'est le même scénario. Mbappé dans le dos de la défense. C'est sur Leroy Sané là sur cette tête. Ah, j'ai vu, c'était incroyable. Attention, De Bruyne qui était trouvé plein axe et écarté sur Leroy Sané. Drag-back. Oh mais magnifique. Le relais avec Leroy Sané côté gauche. La remise. La frappe incroyable. Et cette lucidité dans la surface. Oh, c'est Mahrez. Bien sûr, c'est Mahrez. Tout à fait. Quelle frappe Mahrez. Du gauche. Allez. Avec Fernandinho dans la surface. Quelle occasion magnifique là. Magnifique comment il se l'était emmené. Ah, ça aurait pu être incroyable. Hein. Et on le rappelle, hein, si Sneaky gagne ce deuxième match, il remporte la compétition Econ Trophy de cette Gamers Assembly. Allez, oui, Sneaky la garde là et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, 1-0 pour le moment pour Sneaky à la mi-temps. Et on peut voir les stats, toujours la possession pour Sneaky. Très très équilibré, c'est par contre, en termes de frappe, c'est pas 4-1, 3-1. C'est même Wiki qui a eu le plus d'occasions puisqu'il a quand même frappé 4 fois. Après, on a vu la différence avec Sneaky, c'est que Sneaky, quand il frappe, c'est limpide. Voilà. C'est limpide. C'est dangereux, il prend pas des frappes lointaines. Quand il frappe, c'est que c'est des frappes pratiquement sûres. Wiki, il tente et c'est plaisant à regarder aussi. Hein. Ouais, bien sûr.
on va avoir des buts dans cette deuxième période, Sofiane. Exactement, je pense qu'il va y avoir des buts. Et là, on rejoue hein, dans la défense de Sneaky, on change d'elle-même carrément avec Mendy. Ah, bien joué. Mendy, voilà, il arrive à dépasser les deux joueurs. Il préfère revenir derrière. Voilà, il essaye de faire tourner en bourrique son adversaire. Ouais, il possède possession dans son camp. Il essaye de faire sortir Wiki pour se créer des espaces. Et puis quand il attaque, on le voit. Hein. Là, ça va vite. Là, ça va vite. Mais attention à ne pas avoir trop la possession pour se faire prendre en contre-attaque. Comme tout à l'heure. Le but du 1 partout, c'est sur une longue possession. Il perd un ballon un peu bêtement. Oh, bien joué. Léa, ouais, 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 ouais. Le 2-0 pour Sneaky. Bien sûr, Sneaky. Explosion de joie de Sneaky, incroyable. Allez, c'est là, le moment charnière de cette finale, puisqu'on vous rappelle quand même que Sneaky a gagné le premier match au pénalty. Bien sûr. Il met 2-0. On est à la deuxième mi-temps du deuxième match. Pour l'instant, Sofiane, dirige tout droit vers la victoire. Pour l'instant, ça sent le cash prize pour Sneaky. Ça sent la coupe, ça sent la victoire. Bien ça sûr. Ça sent les cadeaux, etc., etc. Mais Wiki ne va pas s'avouer vaincu. On est à la voit cette action, hein, ça part côté l'action droit. L'action est belle. En une touche. Alors, il y a décalage. Oh, le gardien n'a même pas pu bouger. Fin de corps sur Kipembe qui l'enrhume. La frappe du gauche, premier poteau. Ouais, bien sûr. 90e, 2-0 pour Sneaky. J'ai envie de dire que ça sent bon. La victoire. Ça sent bon la victoire. Ça sent bon. Ça sent bon la victoire. Allez, et peut-être pour le coup, la dernière possession qui n'aura aucune incidence. Attention sur le côté. Sterling. Voilà, il prend son temps. Ah bah, bien sûr. Peut-être mettre un but. Et là. Et la victoire de Sneaky dans ce Nekon Trophy 2019. Il remporte ça en deux matchs, Sofiane. Un maximum de bruit pour Sneaky. Et voilà, la médaille d'or. Pour Sneaky, on peut les applaudir. Et maintenant, on va voir également des chèques qui vont arriver remis directement par notre partenaire Nekon qui sponsorise ce trophée. Les voici, on peut les applaudir et les remercier. Alors le chèque, parce qu'il y a quand même un cash prize total de 2000 euros remis sur ce tournoi. Rego qui repart avec un chèque de 200 euros ainsi qu'une manette PS4 asymétrique qui est remis également et offert par Nekon. Voilà, on peut l'applaudir. Le deuxième pour Wiki, il va repartir avec un chèque de 600 euros ainsi qu'une manette PS4 Unlimited offert par Nekon. Et le vainqueur, il repart avec la coquette somme de 1200 euros. Voilà. Sneaky, le joueur français. Et il repart également avec deux manettes. Une manette PS4 asymétrique et une manette PS4 Unlimited. Encore offert par Nekon. Voilà. Mais également, au-delà du chèque, on va avoir aussi une grosse, grosse coupe quand même qui arrive. Le trophée, tu peux poser ton chèque. Et voilà, le trophée vainqueur de ce FIFA Nakon Trophy de la Gamers Assembly 20e édition, Sneaky.